Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Gonelle? Alors, on retourne, on va vraiment voir les pierres qui bougent toutes seules. Ouais. Alors, c'est Rock Platter Playa? Non. Oh, j'ai pas bien retenu. Restrack Playa. Restrack Playa. Playa. Ou la plage. Playa. Ouais. On y va comment? En Jeep. En Jeep, ouais. Et on en a pour 2h30 aller. 2h30 aussi. Sachant qu'il faut 1h pour aller, parce que le début c'est 2h30. Ouais, c'est long, hein. Donc ça fait 5. Ça fait une bonne journée de 8h. C'est ce qu'il nous a dit, ouais. Du coup, t'as pris des forces avec un thé. Je prends des forces avec un thé. J'ai mangé une gaufre. Une gaufre. J'ai mangé deux tranches de lard grillé. Ouais. Des fruits. Deux tranches de brûlure. Bon. Ça va aller ? Ça va aller. Ok. Allez. Fait juste chaud, hein. On dirait qu'il y a une rando un peu plus loin, t'as vu? Snake Trail, 100 yards, mais en même temps, pour trouver le début du chemin, je vois pas. Remarque, c'est peut-être là-bas. Ouais, c'est peut-être là-bas plus loin. Ouais. Je vais regarder sur le plan. Ok. C'est la même que la fois dernière? Je sais pas, elle me paraît différente un peu. Comment ? Je m'étais mise dessus. Ouais, ça avait laissé une marque sur le capot. Non, je rigole pas. Ouais ? Enfin, j'ai l'impression. Tu peux monter dessus, mais non, pas. Je vais pas. Allez, on y va. Bonjour madame, j'ai nulle part où aller. Vous m'emmenez? On y va? C'est rigolo. Bon, faut passer dessus. Hein. Voilà, donc là il nous reste encore 11 miles avant Rastrack Playa, et donc à cet endroit appelé Ticketal Junction, là, en fait le croisement des bouilloires plutôt, donc c'est là qu'il faut prendre à droite, et c'est là où plein de monde accroche une bouilloire avec différents messages.
Voilà. David and Sharon. Michael and Shannon. Bon, et puis là, la bouilloire Halloween spéciale. En plus, avec l'adresse WeChat, c'est rigolo. Et là, l'adresse Instagram, cinéma stéréo. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est rigolo, hein. Mm. Faudra leur envoyer, tu vois, faudra leur faire un petit... Ouais. Ah ouais. Voilà. Turtleback Adventure. Voilà. Ça, évidemment, la miss. Rayonnante. Hein? Bah oui. Ouais, c'est bien. Bah oui, c'est excellent. Allez, et donc là, on va par là. Ouais, alors ce que j'aime bien aussi avec les locations de voitures dans la vallée de la mort, c'est qu'on loue une voiture avec le petit indicateur des pneus là. Disons que la pression est basse. Alors en fait c'est normal, hein. Ça veut dire que... Mais qu'ils ont baissé la pression exprès pour pouvoir faire du 4x4 en fait. En tout cas sur ce terrain là. Ils nous donnent le plein, vous voyez ça descend assez vite. C'est normal, en 4 roues motrices ça consomme. Ici le petit indicateur 4 roues motrices. Avec la jauge de température, donc l'indicateur 4 roues motrices n'apparaît que lorsqu'on a activé ce boîtier là, enfin ce levier là, qu'on doit n'utiliser que sur les pistes sableuses, enfin gravillonneuses. Voilà. C'est fou, hein. Tiens, regarde, celles-ci là-bas, elles ont bougé. Ouais. Oh non. C'est fait exprès ou pas? Pourquoi? À ton avis. C'est quelqu'un qui les a fait bouger en ligne droite? Un jour, on va découvrir que c'est une grande supercherie. C'est drôle, hein? Pour moi, elles ont bougé toutes seules. Pour moi, elles ont bougé toutes seules parce que ça a pas l'air trop, tu vois, trop insisté, je sais pas. Enfin, hein? Ça a l'air léger quand même. Le paysage de fou, quoi. C'est pas du sable, hein, c'est une sorte de terre. Complètement asséchée, complètement craquelée. D'ailleurs, ça s'entend bien quand je marche dessus. On sent les petites verrues, là, les petits boutons qui sont à la surface et qui s'écrasent sous mon poids.
Ah, c'est super arrête, quoi. Donc on nous a dit d'aller par là pour voir des pierres en déplacement et des traces potentiellement. Hein. Alors on en a vu au début, j'y crois pas trop. Ouais, j'ai l'impression qu'elles ont, en plus elles se sont déplacées de manière complètement parallèle, donc ça me semble un peu bizarre. Donc on va aller voir celles qu'on trouve ici, si on a un peu plus de chance. Bon, les traces sont subtiles, hein, c'est pas vraiment des gros sillons. C'est en fait, ouais, c'est ça, l'usure superficielle du sol. De ce que vous voyez là, alors on peut en faire presque avec notre pied. Hein. Vous voyez, si je fais ça, ça y est, hein, ça en fait une. Donc, j'ai pas mis beaucoup de force. Donc, effectivement, le moindre déplacement, le moindre glissement des pierres peut entraîner ce genre de traces. On va aller voir là-bas si on a la chance d'en trouver ou pas. C'est pas grave, de toute façon, on est déjà dans un endroit super chouette. Voilà, là, je pense que c'en est une, tu vois. C'est irrégulier, il n'y a pas de traces parallèles. Remarque que sa camarade, on voit qu'elle a bougé aussi, ouais. À côté. Là-bas aussi, regarde, il y en a une petite, à gauche aussi, là-bas. Ah ouais, puis là, on voit une trace. Et puis là, une trace aussi, là, de quelque chose. Ouais. Ouais. Puis là, on voit un insecte volant. Ouais. Je vais faire une photo. Est-ce que ça va passer en contre-jour, je sais pas. Mais ouais, quand même. On va voir ça. Et après, les autres. J'avais peur qu'on abîme en fait en marchant, mais ça va. Que ça. Ouais. On va faire une photo de l'autre côté aussi, parce que là on est en plein contre-jour. Mm. Ah mais c'est subtil les traces, hein, t'as vu, c'est à peine, c'est même pas. Tout à l'heure j'ai essayé de frotter avec mon pied, tu vois, sur le sol. Super. Et ouais, c'est vraiment superficiel quoi. Là on voit rien de ce côté-là. Hein. Non, on voit pas. Si on voit l'autre. Ouais. En fait, on a l'impression que l'angle de vue, il compte autant, quoi. Là aussi, ouais. Regarde, on voit les traces de la petite, là. Ah, j'ai eu peur qu'on n'en voit pas. Ah, je suis content. On l'a mérité, hein. Ouais, on l'a mérité. Ça nous a coûté cher, hein. Putain. Ça nous a fait peur et ça nous a coûté cher. Mais c'est bon. En fait, ça tombe de la montagne qui est en face, là. Enfin, de la montagne, du truc là qui est en face, ouais. Ça arrive sur cette plage et avec tout un tas de phénomènes naturels, ça se déplace. Ce truc là, mais bon, bref, peu importe. On dirait vraiment que ça a été planté là. Ouais, et puis le gris. Là. Le gris, là, la délimitation là. Thank you.
Ah si, ça y est, ça redémarre. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Oh la bête! Tu fais une vidéo aussi? Ouais, ouais, ouais. J'ai eu peur de l'écraser. Bah ouais, je comprends bien. Oh, oh la bête! Oh la vache! Ah, c'est moche, putain! C'est pas si moche. Ça saute pas. Arrête. Arrête en panique. Hein? Ouais. On a eu de la chance parce que pas longtemps avant c'était mort quoi. Ouais. J'ai cherché les warnings, je les ai pas trouvés. Ils sont là. Ah ouais, merci. Même elle a eu de la chance parce que pas longtemps après nous, il y avait les scientifiques, là je suis pas content. Parce qu'à mon avis, un pneu sur elle. Ah bah non, c'est mort, c'est fini. Et t'as vu, elle se déplaçait, et puis dès qu'elle a pu se mettre un peu à l'abri, ça a arrêté. Ouais, elle s'est arrêtée, ouais. Ah, je suis super content. Find a boy, find a girl. I just failed to see.